Bonsoir. Bonsoir Corinne, bonsoir Océane. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Oups. Bonsoir Jessica. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Laure. Ah, Laure, inviter cette personne à l'écran. C'est qu'on peut faire un double live, j'ai l'impression, c'est ça? J'ai une option, inviter cette personne à l'écran pour inviter Laure. Peut-être qu'on pourra tester sur une prochaine vidéo un double live. Alors, ah oui, donc Nathalie, c'est pareil. J'ai une petite caméra qui est à côté du nom. Ah non, bah non. Puis Ingrid aussi. Bah, je sais pas. Alors, c'est un petit format spécial ce soir sur les têtes de chacune. Donc, j'ai une caméra verte qui apparaît sur. Bonsoir Angélique, sur les profils en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être je peux inviter les personnes à diffuser en live en même temps que moi. Bon, ceci dit, on travaille ce soir avec. On travaille, on s'amuse ce soir avec les brochots. Ces petites poudres de pigments qui réagissent à l'eau. Merci bien, oui. Bon. Donc, bonsoir Karine. Alors, je vais sûrement en oublier. Hein. Bonsoir Delphine. Je vois les prénoms remonter, mais voilà. Donc, on va s'amuser avec ces petites poudres. Qui réagissent à l'eau. Alors, moi j'ai principalement des brochots. J'ai trouvé dans mes tiroirs hein, ce genre de petites poudres également qui s'appellent des Cosmo Cricket. C'est un peu la même chose en fait. Pixie Paint, il est noté dessus. Et du coup, c'est la même chose. Bonsoir Brigitte, bonsoir Nathalie. Ce sont des petites poudres également, des pigments de couleur. Qui réagissent également à l'eau. Alors celles-ci, elles sont un petit peu métallisées. Et puis j'ai également, alors ça, j'ai fait l'acquisition récemment. Je suis allée dans une petite boutique pas très loin, enfin pas très loin, ouais, quelques kilomètres de chez moi. Ce sont des infusions et c'est Paper Artie qui fait ce genre de produit, je crois, Color, hein, oui. Et du coup, bah, c'est la même chose. Bonsoir Émilie. Ce sont en fait des poudres également de pigments qui réagissent à l'eau. Alors voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il en existait quand même quelques sortes différentes sur le marché. Moi j'utilise, alors ce soir on va utiliser les brochots hein, parce que c'est ceux que j'utilise principalement. Les infusions, là, celle-ci, là, j'ai réalisé, alors, je vais vous montrer, j'ai réalisé une petite carte avec. En fait, il y a. Cette petite notion de brunois, de marron en fait qui apparaît même dans le bleu. Là par exemple c'est limoncello. Oui, infusion, une petite tisane pour le soir, c'est ça. Ou une petite injection, je sais pas, au choix. Donc infusion et celle-ci, elle est bleue. Et donc il y a plus de nuances, j'ai l'impression, qu'avec les brochots. Bon après, j'ai remarqué sur ces deux couleurs-là qu'on avait un peu plus de marron. Donc voilà. Bonsoir Nathalie. Ce soir, je disais, on travaille avec les brochots. Donc je vais ranger les infusions et les autres petites. Donc moi ici j'en ai 5 parce que le conditionnement quand je les ai achetées était par 5. Après j'ai vu des grandes boîtes de brochots avec une quinzaine de poudres. Elles sont aussi vendues à l'unité. Donc ça permet parfois de choisir ses couleurs en fonction. Bon, moi ici j'ai un bleu, j'ai un orangé, on va dire, celui-ci. Celui-ci est moss green, hein, donc il a des tonalités de vert, mais dans les tons un peu marron et il y a du violet même à l'intérieur. Alors, je vais peut-être vous montrer parce que, alors, j'avais préparé en fait ces petites ATC. Alors j'ai utilisé le bleu donc sur celle-ci. J'ai utilisé le orangé sur celle-ci.
Ensuite, celle dont je vous parlais là, Moss Green, donc avec du ton de vert. Alors là, c'est pas très représentatif parce que j'ai dû remettre une autre couleur. Ouais, peut-être ici. Un vert qui est un petit peu marron. Et puis des tonalités de violette. Là, j'ai du jaune. Donc je l'ai posé ici près du bleu pour avoir un vert. Puisque comme vous le savez, du bleu et du jaune, on a du vert. Et puis ici, c'est un rouge. Alors j'ai dû en mettre avec le orangé en fait, où on a ces tons plus vifs. Ce sont des rouges. Donc voilà, j'avais réalisé quelques petits ATC. Donc on va partir sur ce format ATC parce que c'est bien joli de tester des techniques. Mais si on n'a pas de réalisation pour aller avec, c'est un peu dommage. Alors, un flacon de prêt. Oui. Alors voici. Alors j'ai un petit décalage avec. Voilà, donc il est noté Color Craft Brochot. Bonjour Stéphanie, bon, tu arrives maintenant, mais on commence juste à faire la présentation du produit, donc on n'a pas encore commencé à s'amuser avec. Bonjour Émilie, donc voilà, alors ces petits flacons ont un couvercle qui se dévisse, mais moi j'ai pas enlevé en fait la protection d'opercule pour. Bonjour Isabelle, bonjour Chantal, j'ai seulement fait un petit trou en fait avec une petite punaise. Alors, j'ai vu des filles qui en font plusieurs. Moi, j'ai fait seulement un trou, puisqu'en fait, comme à l'intérieur de ces petits flacons, ce sont des poudres. C'est donc très volatile. Bonsoir, Martine. Et pour du coup, si on décapsule et que l'on ouvre entièrement le bouchon, on va se retrouver avec une quantité de poudre assez importante. Alors, par contre, pour celle-ci, par exemple, c'est un bouchon métallique, donc j'ai pas percé le bouchon métallique, mais effectivement, quand je les ouvre, j'ai tout intérêt à faire très attention. Si vous avez ce genre de format pour utiliser vos poudres, oui, j'ai mis une punaise, du coup. Alors, j'ai vu des filles sur Internet qui étaient très organisées et qui mettaient une punaise de la couleur du brochot qui était à l'intérieur. Moi, je suis pas allée jusque-là. Hein. J'ai mis une punaise, voilà, j'avais des jaunes, donc j'ai mis des punaises jaunes. Donc je disais, les infusions là qui sont dans ces petits flacons avec un bouchon métallique, je suis pas allée percer le bouchon métallique. Par contre, pour les utiliser, je prends un pinceau, je trempe mon pinceau et ensuite je viens saupoudrer en tapotant mon pinceau. Alors, 1,95 sur des formes, notamment celui de Carabelle. Voilà, c'est ça. Donc, le meilleur prix. Donc, on a Nathalie qui nous a fait une petite rétrospective des brochots sur le marché. Elle a trouvé le brochot, le flacon le moins cher sur Carabelle, en fait, sur le site Carabelle. Et donc, je pense qu'on pourra les trouver facilement sur version scrap. Du coup, 1,95 le petit flacon, c'est vraiment pas cher. Et puis, je peux vous dire qu'il y a de la poudre et on en utilise très très peu. Donc, on peut percer aussi alors, les intrusions, non, peut-être plutôt les infusions. Oui, on peut les percer tout à fait. Mais comme ce sont des petits flacons métalliques et puis que l'ouverture est de diamètre moins grand, j'ai préféré en fait faire attention et n'entrer que mon pinceau à l'intérieur du flacon. Bonsoir Caroline. Oui, les infusions, Aurélie. Donc voilà. Et puis l'autre format de flacon, en fait, j'ai pas eu besoin de percer puisque là le capuchon est étudié. Donc c'est juste une toute petite ouverture qui nous laisse quand on tapote comme ça tomber quelques gouttes de poudre. Alors ces poudres, elles vont réagir à l'eau. Donc on va faire des tests. Alors rien n'est préparé hein, avec les poudres. Hein. On peut utiliser différentes techniques, mais du coup, on n'aura jamais le même résultat. Alors, tu as le pack de 20 couleurs, oui, Isabelle. On en utilise très très peu, oui, effectivement. Hein, alors, ça, si ça fonctionne avec les infusions aussi. Oui, bah, en fait, c'est le même principe à les infusions, c'est seulement parce que c'est une autre marque. C'est le même principe, ce sont des poudres de pigments qui réagissent à l'eau. Donc voilà, on va réaliser quelques petites ATC au fur et à mesure, je vais vous montrer comment utiliser ces poudres de différentes manières. Donc j'avais conseillé fortement de prendre un papier aquarelle puisqu'on va travailler avec de l'eau. Donc il faut un papier. Bonsoir, c'est vrai. Il faut un papier qui réagisse. Et qui puisse accepter une quantité d'eau suffisamment importante, puisque on va utiliser pas mal d'eau, hein.
Donc autant utiliser un papier. Alors là, j'ai pris un 300 grammes. J'aurais pu prendre un peu plus fin. Habituellement, j'utilisais du Canson. Là, j'ai fait l'acquisition d'un vrai papier aquarelle qui fait 300 grammes. Donc, je pense que le résultat va être meilleur que sur un Canson 200 grammes comme j'avais l'habitude d'utiliser. Donc, la première technique que je vais vous proposer, on va utiliser juste du papier et juste de la poudre. Donc, sans avoir humidifié le papier, on va venir prendre un peu de poudre, tapoter pour en faire tomber sur notre papier. Alors, pas beaucoup, hein, puisque je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez bien de près la quantité que j'ai mis. J'ai mis très peu de poudre. Hein. Vous voyez ces petits pigments? Il y en a vraiment très très peu, hein. Ça fait comme des grains de poivre très très fins. Donc là, je les ai déposés sur mon papier aquarelle sec. Et je vais donc prendre un flacon d'eau. Alors j'ai rempli mon flacon, mais il est possible que j'ai besoin de retourner au robinet d'ici la fin de la soirée. Et donc, une fois que mes poudres sont posées sur mon papier sec, je vais venir vaporiser de l'eau. Donc je vais commencer par vaporiser l'eau assez haut. Et puis je vais voir comment ça réagit et en fonction de l'aspect que j'ai envie d'obtenir, je vais me rapprocher. Donc je vaporise de l'eau. Donc vous voyez, si on vaporise assez loin, il tombe peu d'eau et du coup la poudre réagit par toute petite concentration. Et plus on va se rapprocher en fait. Plus il va y avoir de l'eau en plus, et donc là elle va se répandre un peu plus. Donc soit on laisse et on sèche comme ça, soit on insiste encore et ensuite on fait bouger l'eau de manière à répartir sur toutes les zones. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors, je ne vous ai pas dit, mon papier, en fait, je l'ai coupé comme j'étais partie sur l'idée de réaliser des ATC. Mon papier, j'ai fait des rectangles qui correspondent à la valeur de deux ATC côte à côte. Donc, une ATC, c'est 8,9 cm, donc 3 pouces et demi par 6,4, donc 2 pouces et demi. Donc là, j'ai 5 pouces et là, j'ai 3 pouces et demi en largeur. Donc voilà, j'étais sur cette idée-là. Après, si vous ne voulez pas spécialement réaliser d'ATC, vous utilisez vos morceaux de papier aquarelle que vous avez, vos chutes, comme vous voulez. Donc voilà le premier résultat quand on utilise la poudre sur le papier sec et que l'on applique ensuite de l'eau. Donc là, je vais sécher parce que, bah, oui, forcément. On ne peut plus continuer à travailler si on reste comme ça. Alors, soit je sèche la totalité et ensuite je viens ajouter une autre couleur, soit je peux aussi choisir de venir mettre une autre couleur. Mais là, en fait, je voulais vous montrer le résultat avec le papier sec, la poudre et l'eau. Donc, je ne vais pas ajouter d'autres couleurs maintenant. Donc, je vais faire un peu de bruit. Donc là, mon papier est sec. Alors par contre, je ne vous ai pas dit, mais il est préférable d'utiliser un plan de travail bien protégé. Oui, alors ne pas se mettre trop près, effectivement, Nathalie, puisque les pigments peuvent brûler. Il m'est déjà arrivé, en fait, de chauffer un peu trop les pigments, et au final, ils restent agglomérés. Ils ne poursuivent pas leur action de diffusion. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Corinne. Donc là, une fois que mon papier est sec, donc on peut ajouter une nouvelle couleur. Et donc, dans le principe, on est de nouveau sur du sec.
et on va de nouveau saupoudrer un papier sec et remettre de l'eau. Donc là, j'ai mis un peu de jaune. Donc pareil, je vais venir à nouveau vaporiser. Et là, je vais avoir quelques touches de jaune. Alors, les pigments qui étaient bleus, qui n'étaient pas totalement diffusés, vont, avec l'action de l'eau nouvellement arrivée. Oui, c'est seulement maintenant que je dis qu'il faut protéger le plan de travail, effectivement. Bon, vous avez bien l'habitude que quand on joue avec de l'eau et qu'on fait un peu de patouille, on ne se met pas sur la table en bois ni la table blanche du salon, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, bon après les pigments tachent, hein, normal puisque ce sont des couleurs. Par contre après bah, l'eau que vous allez vaporiser en plus, bah, effectivement si vous avez quelque chose qui craint l'eau autour, ça risque de l'abîmer. Mais si vous mouillez seulement les choses autour, c'est pas non plus très grave. Donc là j'ai à peine assez de jaune à mon goût. Donc je vais remettre, alors bon on n'est plus sur le côté sec puisque du coup j'ai pas séché. Alors, je n'ai pas repris du jaune, j'ai repris celui que j'appelle le Green Moss. Ben voilà, donc là, on a un peu de violet qui va venir apparaître. Donc, je vais sécher de nouveau. Alors, si vous trouvez qu'il y a des endroits où vous avez un petit peu trop d'eau, soit vous utilisez le chiffon que vous avez sous la main, soit vous utilisez un petit peu de papier absorbant. Moi, j'ai toujours un chiffon, je n'utilise pas toujours du papier absorbant, mais bon voilà, un peu de papier absorbant ou un petit morceau de tissu, voilà, fait l'affaire. Voilà donc pour le premier essai. Alors, vous avez le bleu qui s'est bien diffusé puisque c'était notre couleur première. Et puis après, où j'ai ajouté des notes de jaune. Et puis en dernier lieu, j'ai ajouté le moss green qui en fait va nous sortir quelques touches de violet. Donc après, ce morceau, soit vous l'utilisez tel que, soit on peut venir lui ajouter quelques formes d'une couleur contrastante. Donc c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Et là donc pour l'instant on a réalisé un premier test. Donc papier sec, papier aquarelle sec, poudre puis eau. Ok, tout le monde suit? Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent en même temps les tests ou est-ce que je suis la seule à tester ces petites poudres ce soir? Je vous écoute. Donc, deuxième test. Alors, il y a toujours un petit délai, donc je ne vois personne répondre. Deuxième test. Un morceau de papier aquarelle, toujours, sur lequel on va vaporiser largement de l'eau. Alors, de manière à bien l'imbiber. Hein. Voilà. Donc là, mon papier... D'accord, Nathalie. Chouchou également teste. Très bien. Donc là, on vaporise généreusement d'eau son papier aquarelle. Et puis, on va venir faire tomber... Super beau résultat pour moi. Bon, bah parfait, Nathalie. Ça me fait une révision. Oui, c'est toujours bon de revoir des vidéos, en fait, de techniques que l'on a utilisées, qu'on n'utilise plus. Et voilà. Pas encore de brochot. Bon, bah ça va venir. Hein. Il faut essayer d'en trouver. Après, un petit flacon à 1,95, c'est pas un gros investissement. Et ça permet de faire des petites choses sympas. Donc là, j'ai mouillé largement mon papier. Et maintenant, je vais venir faire tomber de la poudre sur mon papier. Donc, je vais en mettre généreusement.
Et vous voyez tout de suite l'effet qu'elle produit. C'est vraiment, enfin, ouais, de plus près. Elle va tout de suite travailler différemment en fait. Elle va, dès lors où la poudre va tomber sur l'eau, elle va tout de suite se diffuser et garder des différences de tonalité, plus que lorsque l'on met de l'eau après avoir saupoudré. Donc là, encore une fois, on peut rajouter de l'eau. Alors, je vais essayer de n'en rajouter qu'à certains endroits, de l'eau, pas partout, puisque je veux garder en fait cet effet de différentes couleurs provoqué par l'arrivée des poudres directement sur le papier humide. Alors, perso préfère cette technique. D'accord. Oui, aussi, j'aime. Mais bon, voilà, il en existe plusieurs, donc on va toutes les tester. Effectivement, moi aussi, personnellement, la première sur le papier sec, je trouve que la réaction est moins jolie que sur le papier mouillé. Donc là, ben, on va sécher. Oui, hein, je crois que tout. Alors, est-ce que vous m'entendez quand je parle avec le gain? Stéphanie nous dit qu'elle aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, vous voyez là, effectivement, quand on dépose la poudre sur le papier, ah, le Higen ne fonctionne plus. Bon, bah, il faut mettre près de la cheminée. Quand on sèche en même temps, pas vraiment. Bon, bah, alors je vais sécher et puis je vais, une fois le Higen éteint, je vous reparle. Donc là, effectivement. En fait, les pigments réagissent vraiment différemment. Bon, celle-ci de technique est bien pour pouvoir après, par exemple, soit faire des découpes de certains endroits. Enfin, vous allez voir que tout à l'heure, quand on l'utilisera pour faire l'ATC et que l'on ajoutera dessus des formes, ça peut être très sympa aussi. Flûte, j'ai pas vu passer pour ce soir. Ah oui, donc je vous ai pas dit, les filles, peut-être il aurait fallu qu'il y en ait quelques-unes qui partagent sur la gazette. Alors, l'effet avec les brochures différent de celui avec les infusions. Alors, ben, on essaiera tout à l'heure, oui, effectivement. Alors, on ne pourra pas comparer la même couleur. Si le bleu, on pourra peut-être comparer. Bonjour Laetitia. Bonsoir Laetitia. Alors, mouiller le papier puis poudre. Bon, je préfère ces deux couleurs-là. Alors, après, oui, effectivement. Je vais vous remontrer le bleu tout seul. Alors, c'est vrai qu'aussi, quand on utilise une seule couleur, c'est bien. Quand on utilise plusieurs couleurs, on n'a pas, on voit pas le même résultat. Mais je peux vous remontrer le bleu. Je pense que voilà, on aura vraiment le comparatif parce que c'est vrai que avec une couleur différente, c'est pas la même. Mais voilà, on pourra vraiment voir la différence. Alors, et du coup, j'ai déjà plus d'eau. J'aurais dû prendre un vapeau plus grand. Bon, je vous abandonne le temps d'aller remplir mon vapeau. Ah, mon heatgun, plus le nôtre. Non, il. Plus le nôtre, la dame te dit. J'ai pas compris, Nathalie. Le mien quoi? Plus le nôtre, la dame te dit. Alors, les petits pots sont des brushos. C'est donc ces petites poudres de pigments
que l'on fait tomber sur de l'eau. Tu connais pas ça? Eh bien, il suffit que tu en achètes et que tu. Alors, déjà que tu redécouvres la technique ce soir et ensuite que tu achètes des brochots pour connaître. Alors, là, je disais donc, on va essayer de la même technique, donc le papier mouillé et puis la poudre bleue pour voir vraiment, voyez, tout de suite la différence. Alors, moi, j'aime. Enfin, j'aime bien mieux ce résultat. Hein. On est d'accord? Tout de suite. Ça fuse bien plus et on a ce résultat un petit peu de feu d'artifice. Ainsi que, oui, Stampin' Up! En vend ainsi que Carabelle. Alors moi, les miennes viennent de chez Stampin' Up! Puisque j'ai découvert grâce à Stampin' Up! Les brochots. Mais en cherchant un peu sur le marché, j'en ai vu chez Carabelle, j'en ai vu un peu partout. Hein. Enfin, il y a les boutiques de scrap vendent des brochots, voilà. Donc là, j'ai vraiment mis beaucoup de pigments. Donc vous voyez, hein, le même bleu, mais ne redonne pas du tout le même résultat. Bon, je refais un peu de bruit. Alors, si on trouve que c'est un peu coloré, enfin un peu foncé, on peut enlever du pigment avec un papier ou un chiffon absorbant. Mais là, effectivement, en enlevant du pigment, j'ai enlevé en fait cet effet que j'aime bien. Donc bon, c'est un peu dommage. Oui, c'est ça, les guignols qui disaient, le monsieur te dit que oui. Mais alors en plus, je ne vois pas la totalité, on s'adresse à un petit peu de c'est peut-être un peu au niveau de ce séchage pousse de l'eau. On n'entend pas grand-chose, c'est exactement ça. Donc voilà, Nat explique ses blagues, oui, c'est ça. Sauf que. Entre le moment où elle les écrit, le moment où je les lis, j'arrive pas à les lire en entier et du coup je refais du bruit. Les blagues de Nat ce soir. Alors, je suis obligée de traduire. C'est pas cool de me faire bosser. Bah, t'es traductrice ou pas, hein, on va jusqu'au bout hein, quand on sait faire quelque chose. Donc voilà la technique de l'eau, enfin de l'eau sur le papier, puis le brochot. Et donc à la différence de. Le papier sec, le brochot et l'eau. Donc voilà, on a déjà pas mal de petites ATC en prévision à découper ensuite. Alors, on va ensuite utiliser. Alors, je sais pas si. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ah ben si, on pourrait peut-être là, sur celle-ci, en fait, rajouter une autre couleur. En fait, si l'on. Dépose des brochots que sur une partie, sur la partie haute par exemple d'une carte et que l'on laisse cette carte à la verticale, la poudre va glisser le long du papier et faire comme des coulures et c'est un effet assez sympa. Oui, moi aussi, Corinne, je préfère la seconde. On a vraiment cet effet de feu d'artifice. Alors, sur cette couleur-ci, c'est bien plus représentatif que sur le bleu. Alors, peut-être que j'en ai mis un peu trop, mais c'est vrai que les brochots, enfin, c'est ce que j'aime en fait avec ce produit-là. C'est que à chaque fois, c'est une découverte. On dépose des poudres et puis si on tapote un grain de plus ou un grain de moins sur son petit réservoir, et bien du coup on a vraiment des résultats différents. Donc là je pense que j'en ai mis modérément, peut-être que sur le bleu j'en ai mis un peu plus et un peu trop pour du coup où on n'a plus cet effet feu d'artifice. Mais bon, voilà, après c'est à utiliser tel que le brochot va avoir travaillé. Hein. On va pas se poser la question de faire telle ou telle forme, de réussir ou pas. En fait, c'est le brochot qui décide. Bonsoir Karen, bonsoir Prune. Alors, je disais donc, on va essayer de faire tomber. Alors, je vais mettre de l'eau principalement
sur le haut de ma carte où j'ai un peu de, peut-être de ce côté-ci. Donc juste sur le haut. Et je vais déposer un peu de poudre. Donc là, je vais mettre la rouge. Mais alors juste sur la partie haute. Du papier. Et donc, en tenant ma carte à la verticale, je vais avoir des coulures de brochot. Alors là, vous ne voyez rien. Moi, je vois le brochot travailler. Donc là, en fait, vous voyez, la poudre rouge que j'ai mis tout en haut est en train de couler. Alors, peut-être un peu plus que ce qu'il faudrait. Donc, je vais enlever un peu de couleur. Et voilà, on va avoir des coulures de couleur. Donc, vous voyez? Bon, je sèche de nouveau. Oui, le orangé là est vraiment sympa. Alors après les brochots, je pense que ça fait un petit peu comme lorsque l'on travaille avec la gel presse. C'est-à-dire que plus la surface est grande, moins on va trouver le résultat joli. Et par contre, dès lors on va isoler certains espaces, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont bien travaillées, qui sont jolies. Là, si on regarde comme ça, bon, voilà quoi, c'est. Oui, la méthode des couleurs, c'est bien. En fait, ça permet de rajouter une deuxième couleur. Alors, c'est quoi? C'est du papier. Alors, c'est du papier aquarelle Florence que j'ai acheté dans une boutique qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Tout en colle. Et en fait, où il y a vraiment plein, plein de choses pour les loisirs créatifs et notamment du papier aquarelle. Donc là, j'ai pris du 300 grammes. Mais après, peu importe la boutique d'art dans laquelle vous irez, hein, vous pourrez trouver du papier aquarelle. Hein. Alors, du coup, si j'étais en train de dire, si vous isolez certains espaces de la feuille que vous avez travaillée, vous apercevrez qu'il y a vraiment des jolies parties. Hein. Un peu comme, comme quand on travaille avec la gel presse. Enfin, moi qui connais, enfin, qui connaissais peu la gel presse, les premiers tests que j'avais fait avec, j'étais un petit peu déçue du résultat. Et en fait, je me suis aperçue qu'en isolant certains morceaux de papier de la création avec la gel presse, eh bien, on retrouve des jolis morceaux. Donc ici, forcément, celui-ci est beau en entier. Celui-ci est moins joli, mais vous allez voir que quand il va être coupé au format ATC, eh bien, on va retrouver des jolis petits bouts. Alors après, on fait quoi avec tout ça? Alors après, on fait. Alors, on peut faire des cartes. Hein, on peut utiliser un morceau comme ceci et puis rajouter par-dessus du tamponnage, rajouter des découpes. Là, ce soir, on va réaliser des ATC, donc on va refaire des petites découpes. Et puis alors là avec les morceaux qu'on a réalisés, eh bien on va refaire du tamponnage dessus. Je vais vous montrer une autre technique du résiste avec de l'embossage et là on pourra réaliser une vraie carte entière. Après, on peut faire des découpes dans ces papiers-là et les utiliser un peu comme je les ai fait ici. En fait, ici, j'ai fait un fond avec de la distress. J'ai ensuite passé un pochoir et là, j'ai récupéré, j'ai découpé mes fleurs. J'ai découpé mes fleurs dans mes morceaux de papier aquarelle qui étaient colorés au brochot. Et puis, je suis venue les coller sur une base. Alors, soit on utilise directement ce papier, mais bon, dans ce format-ci, il faut vraiment le travailler après pour donner quelque chose de joli. En format ATC, j'aime assez puisque on isole, voilà, certains endroits. Donc ça, c'était donc les techniques de base.
pour s'amuser avec les brochots. Ensuite, je vous avais en fait proposé de préparer de la Versamark et de la poudre à embosser. Eh bien, parfait, Françoise, avec le plein de papier aquarelle. Alors, les ATC, vous en servez pourquoi et comment? Alors, en fait, les ATC, ce sont des petites cartes. Ça s'appelle des Artist Trading Cards. Ce sont des petites cartes, alors avec mon bel accent anglais, vous aurez remarqué, qui s'échangent. Alors, moi, j'ai commencé à faire des ATC il y a déjà très, très longtemps et c'était en patchwork, en fait. C'était des ATC en tissu et entre patcheuses, on s'échangeait, en fait, ces ATC. On leur donnait un nom. On leur attribuait un numéro. Alors là, par exemple, j'en ai 9 de la même série. Donc, je vais donner le numéro 1, 2, 3, etc. sur 9. Je vais leur donner, je vais mettre mon nom dessus, puisque c'est moi qui les ai réalisés. Je vais ensuite leur donner un nom. Alors, je pourrais les appeler libellules parce qu'il y a des libellules dessus. Je pourrais les appeler brochots parce que je les ai faites aux techniques brochots. Enfin, voilà. Et ensuite, on échange. Vous envoyez une ATC et la personne qui la reçoit vous en envoie une autre. Voilà, c'est le principe de l'ATC, en fait, de faire des échanges. Voilà. Donc, ça peut être l'occasion après le live, hein, si certaines veulent faire des échanges d'ATC, eh bien, il suffira... de mettre dans l'événement que vous souhaitez participer à un échange ou dans l'album. Enfin, on verra avec Laure comment on peut matérialiser tout ça, mais voilà, ça peut être l'idée. Donc, on continue sur une technique avec de l'embossage à chaud. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai déjà embossé mon papier aquarelle, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Par contre, pensez à vous laver les mains quand vous avez travaillé les brochots. Si vous ensuite utilisez une autre feuille blanche, puisque moi je suis en train de diffuser du brochot bleu un peu partout. Donc, avec la technique du résiste, hein, j'ai rien de ce matériel, moi. Et tu n'as jamais fait d'ATC. Alors, il te suffit d'acheter un petit pot de brochot. Donc, comme le disait Nathalie, le meilleur tarif, c'est chez Carabel pour 1,95 €. Après, dans plein de boutiques, tu peux en trouver. Hein, et ensuite, bah, tu réalises des ATC. Alors, si tu n'as jamais fait d'ATC, c'est l'occasion. Après, les ATC, on les fait avec tout et n'importe quoi. Hein. L'ATC, en fait, c'est pas une technique, c'est juste un format de carte qui fait 3 pouces et demi par 2 et demi et qui ensuite s'échange. Donc, tu peux la décorer comme tu veux, avec des découpes, avec des peintures, avec de l'encre, avec tout un tas de techniques de ton choix. Alors, du coup, là, j'ai embossé à la poudre blanche. Je vous laisse embosser, si vous voulez, vous aussi, votre papier aquarelle. Donc, comme c'était un nouveau papier aquarelle et que je ne le connaissais pas en termes d'embossage, plutôt que de faire une bêtise en live, bonsoir, Katharina. J'ai embossé juste avant. Donc, j'ai embossé une fleur. Et voilà, donc je vous laisse embosser. Peut-être que vous voulez faire en même temps ou je vous montre maintenant. Dites-moi. Alors en fait, avec la technique d'embossage, comme c'est une technique de résiste, donc on pourrait faire la même chose que l'on a fait, hein, diffuser, j'en ai une là sous la main, diffuser les brochots comme on veut. Sinon, ici, j'avais en fait, j'ai embossé et j'ai ensuite déposé de la poudre un petit peu partout. Donc, embosser avec la machine. Alors après, on fera l'embossage après. Donc là, en fait, c'est l'embossage à chaud, c'est-à-dire que j'ai utilisé la Versamark, j'ai utilisé mon tampon et j'ai utilisé ma poudre à chaud. Ouais, embossage à chaud. Alors là, pour le moment, on va essayer la technique avec l'embossage à chaud. Donc Versamark, tampon et puis poudre à embosser. Allez-y, embossez les filles. Donc à chaud. On essaiera tout à l'heure avec l'embossage à froid. Et là, pour le moment, on va faire avec l'embossage à chaud.
Donc, ben oui, cette carte-ci est faite donc également avec des brochures réparties comme ça aléatoirement. Alors, par contre, je vais essayer. Mes motifs sont peut-être un peu petits. Et en fait, vous pouvez, quand vous êtes sur un dessin embossé comme ça, j'ai que vert saphine, j'ai pas de machine à découper non plus. Alors, eh ben, si tu n'as que de la verre saphine, tu n'embosses pas et puis tu regardes simplement la technique. En fait, pour embosser, il faut de la Versamark. C'est une encre qui est transparente et collante. On utilise son tampon avec cette encre-là. Une fois qu'on a tamponné en fait le dessin en transparence sur notre papier, on verse de la poudre. Alors moi là j'ai une poudre blanche, il existe des poudres de toutes les couleurs. J'utilise parfois de la poudre noire parce que j'aime bien. Et puis quand c'est le moment des fêtes, eh ben, on a de la poudre brillante, on a de la poudre argent, or, pailleté, enfin il en existe des dizaines de poudres. Voilà, ça c'est l'embossage à chaud. Alors quand vous avez embossé un dessin, vous allez venir mettre de l'eau. Que dans certains, alors je sais pas, on voit pas très bien là, mais celle-là, la transparente, oui, la transparente. Alors moi, j'ai utilisé en fait de la blanche ici, hein. C'est pas de la transparente, mais de la transparente sur du papier blanc va rester blanche et de la blanche sur du papier blanc va rester blanche. Donc moi, je vois pas trop la différence entre voilà, la blanche et la transparente. Dès lors où on utilise un papier blanc, bah, ça reste de la couleur du papier. Par contre, la transparente, si vous la mettez sur un papier noir, vous aurez des formes transparentes. Et si vous mettez de la blanche sur un papier noir, là, vous aurez des formes qui seront blanches. Donc là, vous allez venir déposer de l'eau uniquement, alors avec un pinceau, hein, alors soit à réserve d'eau. Soit un pinceau et puis un petit bocal à côté de vous d'eau, un petit pot d'eau. Donc là, vous allez venir mettre de l'eau uniquement dans les parties que vous voulez coloriser. Alors là, par exemple, moi, ce tampon-là, j'ai des fleurs et j'ai des feuilles. Donc je vais venir mettre de l'eau que dans les parties où ce sont des enfin où c'est la fleur en fait. Donc je ne mets de l'eau que aux endroits qui correspondent à la fleur. Et une fois que j'ai mis de l'eau à cet endroit-là, je vais venir faire tomber de la poudre dessus. Et donc ma poudre ne va se mettre que aux endroits, ne va se diffuser que aux endroits où il y a de l'eau. Donc voilà. Alors après, soit je la laisse agir, soit je dépose un peu plus d'eau. Et à ce moment-là, la poudre va venir avec le pinceau réagir comme si c'était de l'aquarelle. Donc vous voyez, là, je suis dans mes interstices qui ne correspondent qu'à ma fleur. Et j'arrive à mettre de la couleur que aux endroits où il y a de la partie fleurie. Et donc une fois que je vais sécher, donc là, on va utiliser plutôt un sopalin puisque mon autre est trop. Et donc, une fois que vous allez avoir séché, vous allez venir passer un petit chiffon, alors sec, hein, c'est pour ça que je suis allée chercher un sopalin. Vous allez frotter aux endroits où vous avez votre poudre. Et pour du coup, vos contours de fleurs vont rester blancs. Et par contre, la couleur est à l'intérieur. Donc, je vais faire ça sur chaque fleur. Et puis après, je viendrai ajouter une autre couleur. Donc là, bon, je vais travailler une fleur que je vais faire d'une autre couleur. Donc, je mets de l'eau uniquement sur ma fleur.
donc dans les pétales. Et pour du coup, l'eau va rester bloquée dans les pétales qui ont été embossés. Et c'est pour ça que quand vous faites tomber votre poudre, la poudre va rester aux endroits où il y a l'eau. Donc même s'il y a de la poudre qui tombe à côté, elle ne va réagir qu'aux endroits où il y a l'eau. Alors là, vous pouvez l'aider en la répartissant bien où elle doit être, cette poudre de couleur. Et puis une fois qu'il y a de la poudre aux endroits où vous avez envie qu'elle soit, vous séchez. Alors, et puis je vais en faire une dernière, alors d'une autre couleur, peut-être jaune. Alors, je dois avoir une autre fleur qui doit être ici. Et ici, je vais mettre de la poudre jaune. Et là, je vais pouvoir sécher également. Voilà. Alors ici, comme on est sur de la technique du résiste, je vais maintenant, alors maintenant que mes couleurs de fleurs sont faites, je vais passer tout autour. Alors là, je vais mettre sur mes feuilles, donc pareil, de l'eau. Et je vais pouvoir changer de couleur. Si je nettoie bien mon pinceau, c'est encore mieux. Alors là, pour les feuilles, j'ai pas forcément envie que ça reste dans les feuilles, donc je vais mettre de l'eau, mais autour également des feuilles, hein. On est là, je vais pas rester que sur le côté feuillage. Je vais répartir de l'eau tout autour en fait de mes fleurs. Alors j'ai mal nettoyé mon pinceau. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir faire tomber de la poudre. Alors, plus ou moins verte, hein. Alors, comme mon pinceau n'était pas super propre, j'ai en fait ce côté un peu rouge autour. Donc là, je rajoute de l'eau en fait pour que mes poudres se répartissent. Alors en fait, quand on ajoute de l'eau comme ça, ça vient passer tout autour. Hein. Et du coup, on voit plus les contours blancs, mais une fois que ce sera sec, on va voir, on pourra passer notre papier absorbant et les contours réapparaîtront. Alors là, je vais enlever un petit peu de couleur. Et je vais venir sécher.
Alors, mon papier se met à gondoler lorsque... Alors, si c'est un papier 300 grammes et qui gondole, bon, le mien gondole un petit peu. On peut également, si on veut pas du tout que ça fasse de coulure, on peut maintenir son papier sur son plan de travail avec du washi tape, par exemple. Et comme ça, on a le papier qui reste bien en place. Et effectivement, les brochots travaillent moins tout seuls. Vous réussissez à avoir... à avoir un aspect un peu différent, un peu moins coulé. Après, le côté coulure, c'est aussi intéressant, je dirais, puisque ça permet de faire des formes aléatoires. Et du coup, c'est sympa aussi. Donc voilà, sur cette carte-ci, on va tester une autre technique en même temps. C'est-à-dire que les brochots, ils peuvent être utilisés. Alors, donc là, on a vu avec la technique du résist à l'intérieur de chaque interstice. Par contre, vous pouvez venir utiliser les brochots de la même manière qu'une encre aquarellable. C'est-à-dire que vous allez sur votre plan de travail faire tomber quelques gouttes de brochots. Vous viendrez récupérer avec un pinceau à réserve d'eau. Vous allez faire en fait réagir vos pigments à côté de votre espace de carte, en fait sur votre espace de travail. Et puis ensuite, vous viendrez utiliser votre, votre brochot tel de l'aquarelle. C'est-à-dire que vous viendrez poser de la couleur aux endroits où vous aurez envie avec, avec votre pinceau et votre, votre couleur qui sera à côté. Donc là, je vais venir en fait... répartir tout autour de ma carte. Alors oui, on peut chauffer sur l'endroit ou sur l'envers de la carte de manière à rebasculer l'effet gondolé du papier de l'autre côté. Mais bon, quand c'est un papier aquarelle de qualité, en général, il revient. Hein, même si il a tendance à gondoler, il finit par revenir. Une fois sec, il reprend sa forme. Après, quand vous avez fini de travailler, vous pouvez le mettre sous presse. Et puis votre papier reprend sa forme initiale. Alors, vous voyez, là, je suis venue... je devais avoir quelques poudres de pigments qui étaient restées à côté du rouge. Et du coup, en les récupérant... ça vient, elles viennent se mélanger avec mon vert et ça me donne une autre couleur en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que les pigments peuvent également être utilisés en effet aquarelle sur un sur le plan de travail et ensuite finir sur la carte. Alors, je vais venir rajouter quelques touches au milieu. Et sécher. Porte bête. Oui, donc tu vois, en chauffant, hein, Karine, il redevient plat en fait. Donc voilà, bon, c'est pas le résultat que je préfère, mais voilà, savoir que lorsque l'on fait du résist, on peut aussi utiliser les brochots comme ceci. Bon, après là, on est plus sur, sur du travail aquarelle. Bon, c'est vrai que là, en plus, à l'image, c'est moins joli. C'est moins joli que, qu'en vrai. Déjà qu'en vrai, ça me plaît moyennement, mais voilà. Donc, avec le résist, on peut cibler certaines zones en colorisant avec, avec les brochots.
Donc voilà, alors ceci étant fait, on peut tester également avec l'embossage à froid. C'est-à-dire que avec un classeur d'embossage, alors j'en avais sorti deux. Je vais peut-être plutôt utiliser celui-ci. Donc avec le classeur d'embossage sur la partie qui va se retrouver sur votre dessus de carte. C'est-à-dire la partie débossée, embossée, celle qui va faire les bosses. On va venir déposer de la poudre. Ensuite, on va mettre de l'eau et on viendra mettre notre morceau de papier aquarelle de manière à l'emprisonner dans notre classeur et le passer dans la Big Shot. Je vais utiliser donc celle qui s'appelle Moss Green, donc où il y a des pigments violets. Donc sur une plus grande surface, je pense qu'on va les voir mieux. Donc là, je mets de la poudre dans mon classeur d'embossage. Donc ça ne va pas tacher votre classeur. Hein. Je mets ensuite de l'eau. Je mets ensuite ma feuille de papier aquarelle. Je referme mon classeur et je le passe dans la Big Shot. Non, ça ne tache pas la plaque d'embossage puisqu'en fait, elle est recouverte d'eau. Et du coup, ensuite, il suffit de la passer à l'eau. Alors, donc pareil, j'ai peut-être mis un petit peu trop de poudre. Alors, on va sécher, voir ce que ça donne. Je pense que j'aurais dû choisir une couleur plus claire. Alors, vous voyez, hein, le classeur d'embossage, en fait, il suffit de laver à l'eau et voilà. Donc, alors, les brochots vont tâcher s'ils se retrouvent sur un tissu ou sur un morceau de papier, par exemple, puisque forcément, voilà, ils vont prendre. Mais là, sur du plastique. Bon, par contre, je vais tester avec une autre couleur parce que celle-ci est un peu triste quand même parce que mon classeur, ce sont des fleurs et pour du coup, des fleurs un peu vert-marron, c'est pas très joli. Je vais le passer sous l'eau. Vous voyez, utiliser avec main légère. Hein. C'est vrai que parfois, j'ai tendance à en mettre un peu plus. Alors, j'ai passé sous l'eau mon classeur d'embossage. Je vais recommencer avec une couleur plus lumineuse. Alors, je vais couper. Un autre morceau de papier aquarelle. Alors, si je prenais la mesure, ça peut être bien. Donc là, donc je vais utiliser de nouveau avec mon classeur d'embossage, mais je vais utiliser un rouge hein, ou peut-être ce orangé. C'est vrai que l'orangé, il a quand même tendance à donner un beau résultat.
Alors, je vais en mettre un peu moins, je pense. Donc voilà. Je vais repositionner mon papier aquarelle. Et repasser dans la Big Shot. Alors, voyons cette fois-ci. Ouais, le résultat est beaucoup plus, plus délicat. Donc, après, vous faites glisser votre eau colorée dans les petits interstices qui peuvent se présenter. Alors, j'aurais peut-être mis à peine assez pour du coup. Alors, s'il n'y en a pas assez, eh bien, il y a toujours la solution d'en rajouter. Hein. À l'inverse, s'il y en a trop, c'est comme le sel. Donc, voilà. Alors après, le brochot n'est pas une finalité en soi. Hein. Si vous avez travaillé un papier et que ensuite vous voulez l'utiliser simplement, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le laisser juste comme ceci. Vous pouvez venir lui ajouter quelques autres touches, mais d'une autre méthode de colorisation. Vous pourriez par exemple revenir à l'éponge, faire certaines surfaces, etc. Enfin, certains endroits qui vous que vous souhaitez, auquel vous souhaitez donner du relief en fait. Les brochets, on les utilise un peu pour, enfin un peu comme comme fond. Et puis après, on vient, on peut venir retravailler un papier qui a été colorisé au brochot avec une autre technique par-dessus en fait. Donc là encore, je sèche. Donc voilà, là vous avez un papier embossé, donc avec, avec quelques auréoles de couleur brochot. Donc je dirais presque que cette couleur-ci est ma préférée. Hein. Je trouve que le résultat est plus probant avec celle-ci qu'avec avec celle-ci par exemple. Hein. Là on est vraiment. Alors là on pourra venir éclaircir par exemple si vous avez de l'encre craft blanche. Non, pas de l'encre craft blanche, de l'encre blanche tout simplement. Si je crois que la mienne s'appelle craft, c'est pour ça peut-être. Et puis venir donner certains reliefs ou venir mettre un petit peu de Wink of Stella pour donner de la brillance. Voilà. Mais c'est vrai que celle-ci est un peu plus triste. Et puis, alors, dernière technique que je vais vous montrer, hein, parce qu'il en existe d'autres, hein, comme je disais, avec la gel presse, on peut aussi faire de superbes fonds. Gel presse et brochot, on arrive à faire de très jolis fonds. On peut utiliser également des pochoirs. Alors, donc, de deux manières différentes, mais là, je vais vous le... Alors, le pochoir hein, posé, ensuite, on vaporise... on saupoudre, pardon, du brochot et on vaporise, on enlève le pochoir. Ça, c'est une technique. Et là, je voulais vous montrer avec de la pâte de structure, en fait. Quand on va déposer la pâte de structure sur notre pochoir, on va avoir un résultat de colorisation uniquement sur la pâte de structure. Donc, on pose son pochoir, on utilise sa pâte de structure. Alors, la mienne va être un peu dure comme à chaque fois quand je la sors. Donc, je vais peut-être la fixer.
Donc, pas de structure sur un pochoir. Alors, on n'est pas obligé, quand on utilise un pochoir, de le faire entièrement. Hein. On peut en faire que des fragments, en fait. Surtout là, on va redécouper ensuite des morceaux. Donc, le pochoir sera coupé, il ne sera pas en entier. Donc, un peu de pâte. Un peu d'eau sur notre pâte, de manière à ce qu'elle absorbe bien. Alors, je vais la racler pour être sûre qu'elle... Et puis un peu de poudre. Je vais venir mettre un peu de rouge. Oui, le résultat est pas mal aussi hein, avec la pâte de structure. Alors moi, ma pâte de structure, elle est un petit peu mousseuse. Ça fait... avec les pigments qui vont réagir, c'est pas mal. J'aime assez. Et puis je vais mettre un petit peu de jaune. Donc voilà. Alors, on retire le pochoir. Et alors, si on se débrouille bien et qu'on ne fait pas glisser trop d'eau, on va pouvoir remettre... Ah, j'aurais pu couper avant. Alors, je vais couper rapidement une feuille. Alors, je n'ai pas coupé suffisamment de papier aquarelle. Donc là, vous allez retirer délicatement. Voilà. Donc là, vous avez votre pâte de structure et votre brochot. Et ensuite, si vous déposez délicatement votre papier aquarelle sur le pochoir, vous allez récupérer le négatif. Oui, de l'eau sur la pâte de structure. En fait, les pâtes de structure, elles ont de l'eau hein, à l'intérieur. Et du coup, en déposant de l'eau sur la pâte de structure, ça la ramollit un petit peu. Et puis, quand vous déposez le brochot, bah, pour du coup, ça réagit. Et donc là, normalement, vous allez avoir le négatif. Alors, pas parfaitement, forcément, puisque voilà. Mais vous pouvez avoir le négatif du pochoir. Alors, j'enlève toute ma petite cochonnerie du plan de travail. Donc, voilà. Avec le pochoir. Alors, soit vous l'utilisez directement pochoir au brochot ou pochoir pâte de structure, comme ça vous donne un petit effet supplémentaire. Et au système gel presse, oui, un petit peu. Bonsoir Marie-Hélène, oui, vidéo en marche, oui, on arrive pratiquement à la fin. Donc maintenant, on va réaliser nos ATC avec tous nos petits échantillons. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place. Bon, avez-vous réussi à tester en même temps que moi la plupart des techniques? Ah si, je voulais vous montrer l'effet infusion qui est différent un petit peu, comme tu disais tout à l'heure Nathalie. Donc là, je vais peut-être sécher quand même avant, si je veux l'utiliser. Oui, la pâte de structure avec les pochoirs sur des toiles, effectivement. Alors, on aurait pu aussi mettre uniquement de la pâte de structure blanche et faire tomber du brochot dans les interstices de notre pochoir. Et ainsi, nous n'aurions eu que les interstices de coloré. Alors, mon plan de travail, moi, il est en vert.
Alors oui, si tu as un plan de travail vert, de la couleur, VERT, ton plan de travail est en plastique. Moi, il est en verre, VE2RE. C'est-à-dire que je peux mettre de l'eau, je peux mettre un peu tout et voilà. Je peux faire de la patouille très facilement, je peux couper avec mon cutter. Enfin oui, c'est un plan de travail vert qui est très pratique. Voilà, ça c'est pratiquement sec, donc on va le laisser. Oui, on va tester les infusions pour voir la différence en fait. Alors, ce sont des petites poudres hein, pareil, mais par contre, du coup, il faut que je les utilise avec un petit pinceau. Donc, bah, pareil, hein, on va mettre de l'eau. Donc là, j'ai de l'eau sur ma feuille. Ouais, sauf que j'avais un petit peu. Hop. Je vais prendre donc avec un pinceau hein, quand vous n'avez pas fait de trou sur le dessus de votre pot de brochot, vous prenez un petit pinceau et vous mettez de la poudre dans les poils et vous faites tomber sur l'eau. Donc là, bah, c'est pareil, c'est un petit peu moins facile. Donc ouais, ce sont des pigments qui sont peut-être un petit peu plus concentrés que les brochots. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps les infusions en fait, donc je ne saurais pas trop vous dire. J'ai pas énormément travaillé avec. Bon, a priori, ouais, ça réagit un peu de la même manière. Alors, par contre, là dans cette couleur-ci, on a plus de tonalité. On a du bleu, mais on a aussi, je vois là, du rouge. Et si j'utilise. Ce plan de travail, j'ai dû le commander sur le net, je crois. Probablement sur Amazon, puisque oui, je pense que c'est Amazon. Après, il y a plein de boutiques de scrap qui en vendent. Vous pouvez en trouver facilement, mais je crois que Karen de Keyscrap doit avoir ce genre de plan de travail, il me semble. Bon, je n'ai pas d'autres pinceaux, donc. Je vais mettre du jaune à côté. Ben, j'avais pas d'eau, donc voilà. Alors, voyons. Voilà, ça, ce sont les. Le résultat avec les infusions. Donc effectivement, et je pense que à la différence des brochots, on a beaucoup plus, enfin, il y a plus de pigments différents dans une même couleur. Parce que là, comme là, dans le bleu, on voit alors du rosé, du vert. Là, dans le jaune, on a du violet et du marron. Donc voilà. Alors après, pas pareil, hein, on peut enlever. L'eau aux endroits. Alors j'aime bien ces petits artifices là qui se forment tout autour. Oui, c'est quasiment pareil. Hein. Je pense que c'est une histoire de marque. Alors bon, il y a les adeptes brochots, les adeptes infusion. Après, voilà, je pense que c'est une histoire de marque surtout qui va faire la différence. Bon, je serais quand même tentée de dire que là, ce bleu là, il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans, de pigments dedans. Bon, je sèche et puis on passe à la réalisation des ATC quand même, parce que l'on finisse nos tests de technique par la réalisation d'un projet. Oui, je trouve aussi, hein, ils sont beaucoup plus pigmentés. Hein, les infusions ont beaucoup plus de pigments différents.
par rapport au brochot. Voyez, bon là celle-ci c'est peut-être pas le bon exemple puisque j'ai ça c'est le travail inverse, mais par rapport à celui-ci c'est un peu différent quand même. Là dans une couleur on a une couleur, alors que là dans une couleur on a plein de petites autres couleurs. Alors maintenant que tous ces petits essais sont terminés, on va passer à la découpe. Alors, comme je vous avais dit, ici, je suis partie, moi, sur un format 2 ATC. Donc là, j'ai 5 pouces. Donc, je vais couper à 2,5, c'est-à-dire à 6,4 cm. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir couper avec mon coupe-papier. Je vais essayer. Parce que le papier aquarelle en 300 grammes, ça fait quand même une belle épaisseur. Alors... Ah oui, on peut également oui, se faire un pot de brochot avec, avec plusieurs. Voilà. Donc là, j'ai 2 ATC. En voici 2 autres. Voilà. J'aurais pu également utiliser la pâte à structure. Ouais, on va dire que c'est assez sec. Alors, est-ce que là j'ai bien mes 3,5? Oui. Donc je vais faire à 2,5. Alors par contre avec la pâte à structure, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à couper. J'en mets partout. Je vais garder ça à 3,5. Ici, 3,5. Alors après, vous choisissez les morceaux que vous préférez, hein. On va en faire aussi avec celui-ci, je pense. Alors, j'ai les mains dans un presse à l'état. Alors, avant de faire autre chose, je pâte toujours un chiffon sec dessus pour éviter qu'il y ait des résidus de pigments. Oui, tu vois, là, je frottais et effectivement, on sent en fait, on sent qu'il peut rester sur certaines parties des petites poudres. Donc, effectivement, on prend un chiffon sec, comme le dit Nathalie. Alors, moi, je le fais avec la main. En général, je frotte avec ma main pour faire tomber les morceaux de pigments qui auraient pu rester. Donc là, je vais en faire également avec celui-ci. Donc là, je vais couper à 2,5 ici. Hop. Et à 3,5 de ce côté-ci. Voilà, bon, je pense qu'on a matière à faire. Donc je vais nettoyer quand même un petit peu mon plan de travail. Vraiment donc une fois que vous avez coupé donc je vous laisse couper donc 3 et demi, enfin 3 pouces et demi par 2 pouces et demi ou 8,9 cm par 6,4 cm. Bonsoir Nadia. Donc je vais aller chercher peut-être une éponge. Je fais mon petit ménage, hein. Je vous abandonne le temps d'un instant, le temps de faire mon petit ménage. Vous pouvez en faire de même si vous voulez travailler proprement pour faire vos ATC.
voilà, mon plan de travail est de nouveau propre. Donc, j'ai récupéré mes petits morceaux. Alors, sur ceux-ci qui sont déjà formés de pâtes de structure, ben, je vais pas leur rajouter grand-chose. Donc, le chiffon sec, comme disait Nathalie, ça évite de transporter de la poudre sur les tampons. Donc, vous passez sur chaque petit morceau. Voilà. Alors, pour celle-ci, j'avais en fait utilisé un set de tampons. Alors, ce qui est bien, c'est d'utiliser en fait des formes abstraites. Comme ça, on les parsème à droite à gauche et il n'y a pas de dessin ou particulier sur lequel va s'attarder l'œil, mais plutôt des petites formes de ci, de là. Alors, je vais réutiliser les mêmes. Hein. J'avais pris cette fleur et puis... Et puis, je vais utiliser une autre fleur. Donc, après, moi, j'utilise de la Versafine. On peut... Alors, j'étais partie, oui, je vous avais dit d'utiliser de la Stazone. Mais voilà, c'était plutôt pour faire la même technique du résiste, en fait. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Du morceau qui est là. Avec la Stazone, en fait, on fait la même chose. Alors, les dos des cartes sont tachés, oui, effectivement. Alors, quand j'utilise un papier 200 grammes, je recolle derrière parce que j'ai un tampon, en fait, ATC, qui est, je ne sais pas où d'ailleurs. Voilà, j'ai un tampon qui me permet de remplir les mentions... Alors, légal, obligatoire, on va dire, des ATC. En fait, où il est noté ATC, le titre de l'ATC, l'artiste, la date et le numéro d'ATC. Donc, quand j'utilise un papier 200 grammes, je remets à l'arrière un autre papier propre. Quand j'utilise un papier 300 grammes qui est assez épais, et ben même si c'est taché, je dirais que c'est pas gênant puisque on est sur de la technique patouille et on peu importe, on va dire que le dos. Alors effectivement, quand on a des grosses taches comme ça, c'est pas forcément. Mais voilà, si on a un peu de couleur, ben ça vient donner un petit peu de couleur à l'arrière de notre ATC. Et puis je trouve que c'est pas gênant en soi. Alors, je vous montrerai tout à l'heure avec mon tampon ATC. Là, je vais prendre donc la Versafine et puis un tampon fleur. Et puis, je vais venir à l'encre noire déposer des formes. Alors là, je vais les mettre à cheval, donc je vais avoir un morceau. Ici, je viendrai en mettre un autre là, par exemple. Il n'y a pas de règle hein, en la matière. On répartit les tampons comme on a envie. Sans trop se poser de questions. Alors, parfois des demi-tampons, parfois des tampons entiers, comme vous voulez. Bon, celle-ci est assez colorée, donc enfin assez foncée, donc je ne vais peut-être pas en rajouter trop. Je viendrai mettre plutôt des petites formes. Alors, mon tampon ATC, Nathalie, que je réfléchisse, je crois que je l'ai trouvé sur une petite boutique en ligne chez Isabelle qui s'appelle Nafrea. Voilà, pour la petite pub. Donc, c'est un petit tampon. Alors, il en existe plein de sortes, hein, mais voilà, c'est bien parce qu'au moins, on a toutes les mentions. Alors après, quand j'en faisais, quand je faisais mes ATC tissus, j'écrivais à la main au dos de mon carton. Alors en plus je prenais un carton qui soit d'un joli grammage puisque pour mettre derrière une ATC tissu, mais ça nous permettait en fait de fermer l'ATC, donc c'était plutôt bien. Et par contre j'écrivais à la main à l'arrière, donc on n'est pas obligé d'utiliser un tampon pour mettre derrière nos ATC. Donc là je continue à mettre de l'encre et des tampons. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les infusions aussi, hein.
le résultat est plutôt bien. Bon, celui-ci que j'aimais moins sur le départ, au final, je pense que on aura quand même un joli petit fond. Alors, je crois que j'ai mis des tampons sur tous. Alors, sur celles-ci qui sont en relief, je ne vais pas mettre des tampons comme ça. J'irai juste encadrer, en fait. Et puis, je prendrai, je pense, une éponge et je viendrai entourer mon ATC avec une éponge. Alors, je nettoie mon tampon. Je vais venir faire des plus petites formes. Non, ça c'est peut-être un peu grand, je dirais. Alors, des petites formes ici. Et puis j'avais celle-ci. Bon, je vais repartir sur le même principe que mes autres ATC. En fait, ces petites fleurs-là, je les ai mis en première et en deuxième génération. Hop, en les faisant se chevaucher un petit peu. Alors là, par contre, je crois que ça ne se verra que très peu. Voilà. Donc, sur les oranges. Et voilà. Alors, ensuite... Je dois avoir un petit tampon. Alors j'aime bien cette de tampons parce qu'en fait ce sont que des textures. Hein. Donc j'aime assez ça. Bon après j'en ai pas énormément de set de tampons à texture, mais j'aime bien celui-ci. Alors, et puis ben là je vais finir avec quelques petites traces. Verticales. Non, horizontales ou verticales suivant. Suivant l'espace que j'ai disponible. Donc là, je vais les mettre verticales. Et puis sur l'autre horizontale. Donc ici, je vais en mettre une ici. Voilà. Alors après, j'essaie moi de les échanger. Hein. D'ailleurs, on peut peut-être ouvrir un échange ce soir d'ATC. Sinon, après, bah oui, hein, on les stocke. Enfin, on les stocke. Oui, c'est un peu comme nos cartes, en fait. On les réalise et puis on les garde. Bon, les cartes, on les envoie et on les offre. Donc, c'est bien. Les ATC, non, pas toujours, puisque les ATC, ce petit format. Mais après, on peut réaliser ce format et puis on n'est pas obligé... Ah, Isabelle, oui, c'est toi qui l'as fabriqué. Voilà, te voilà. Je ne savais plus si tu étais là ou pas. Et j'avais un doute si c'était chez toi que j'avais acheté ce petit tampon. Donc, après, les ATC, on peut les réaliser. Et puis, pas forcément les reconnaître comme étant des ATC. On peut juste faire des petites cartes de remerciement qu'on joindra avec un petit cadeau ou voilà quoi. Mais bon, dans le format, on est sur de l'ATC. Et dans le principe, on est sur de l'échange. Donc, après, voilà quoi. On peut les garder, mais l'intérêt, c'est quand même de les échanger. Donc, voilà, j'ai mis mes petits tampons. Et puis, ben, je vais venir faire un petit tour de crayon tout autour. Ah, bonne idée, ça. On peut se les échanger à version scrap. Ça, c'est une très, très bonne idée. Oui, ben voilà, Nathalie, hein, pour faire des petites cartes cadeaux. Voilà, ça... Ça peut être utilisé comme tel. On n'est pas obligé de mettre le tampon ATC à l'arrière. Et puis on en fait des petites cartes cadeaux. Du coup, je vais venir faire une petite bordure tout autour. Donc, je fais des petits coups de crayon comme ça, à main levée. Sur celle-ci, je vais venir... Alors, on pourrait... Mais elles sont assez foncées quand même, celles que l'on a réalisées ce soir. Pour faire des étiquettes foncées, on va faire des étiquettes blanches. Alors après, vous mettez le message que vous voulez. Hein. Donc voilà. Alors celles-ci, elles ne me plaisent pas du tout. Elles sont beaucoup trop foncées à mon goût.
Alors, du coup, vous rééchangez celles reçues ou celles que vous faites? Ah non, jamais celles reçues. Celles reçues, on les garde un peu comme une collection et on n'échange que celles que l'on a fait. Après, moi, il m'arrive jamais de donner. Enfin, ça ne me serait pas du tout venu à l'idée de rééchanger une carte reçue. Voilà, c'est pas comme les Pokémon où on a des cartes en double. Là, en fait, on crée ces petites cartes. C'est comme une carte. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'envoie des cartes, j'écris toujours à l'intérieur. Enfin, quand j'offre une carte, j'écris toujours un petit mot à l'intérieur. Parce que je pars du principe que la personne à qui je l'offre, ne doit pas la réoffrir. Enfin, je sais pas, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'offrir une carte qui m'a été offerte. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme bon lui semble. Alors, pas pour le moment, rupture de stock. Il faut que j'en recommande. Ah, t'es en rupture de stock, Isabelle. Bon, alors refais vite un stock parce que pour du coup. Et si elles ne vous plaisent pas? Alors, si elles ne me plaisent pas, je vais quand même les terminer parce que je n'arrive pas à acheter. Donc, même si ces deux-ci ne me plaisent pas trop, je vais trouver une parade pour qu'elles finissent par me plaire. En fait, je pense que je vais. Je sais pas. Je vais mettre un mot qui va me plaire dessus. Mais oui, même si elles me plaisent pas, je vais pas les jeter pour autant parce que j'aime pas jeter ce que je fais. Donc voilà. Donc là, en fait, je leur fais un petit cadre. Hein. Zou. Alors celle-ci, je vais venir leur mettre un petit contour d'encre. Alors, si j'arrivais. Donc là, eh bien, hop, je vais prendre une mousse. J'ai pas d'encre sous la main. Donc du coup, je vais réutiliser un peu de poudre avec un peu d'eau. Et puis je vais venir faire comme si c'était de l'encre en fait. Voilà, je vais venir entourer. Alors j'aurais peut-être mis à peine assez, mais alors je fais à mes tessés, je trouve que ça finit la tessée. Oui, voilà, je fais un petit cadre en général aussi à main levée comme ça avec un feutre. Alors après, on peut choisir de faire un feutre d'une couleur ou d'une autre. Là, avec le feutre noir, je trouve que ça se marie bien avec les tampons. Du coup, voilà. Alors celles-ci, hop, je les entoure. Voilà. Du coup, j'ai pas mis d'encre noire dessus, mais je vais peut-être quand même tester aux endroits, voilà, où ça reste le plus blanc. Voilà. Et voilà. Oui, c'est sympa. Bon, puis c'est pas très onéreux, ces brochots. Et puis ça permet de faire autre chose, quoi. Bon, si, je vais peut-être quand même faire un tour hein, sur celle-ci. Mais au feutre plus foncé pour rester. Voilà. Alors là, je fais un cadre plus foncé puisque on est sur quelque chose de plus grossier puisqu'on est sur la pâte à structure. Du coup, il n'y a pas besoin de cette finesse et puis du fait de l'irrégularité de la surface. Voilà. Reste à poser peut-être un petit mot. Alors. Donc sur ceci, j'avais écrit amuse-toi bien. Donc là, a priori, vous prenez le mot qui vous semble le plus joli à poser
Alors, j'ai des petites bandes que je garde toujours. Après, vous utilisez le message qui vous convient le mieux. J'ai un joli petit message là qui dit que du bonheur. Hop, je vais le tamponner. Alors, ah oui, probablement qu'il existe des groupes Facebook pour faire des échanges d'ATC, je pense, oui, à creuser. Peut-être que c'est une idée pour s'échanger ces petites ATC. Voilà, après vous choisissez le message qui vous convient le mieux. Là, j'ai utilisé celui-ci parce que c'est celui que j'ai sous la main. Donc, je vais découper mes étiquettes. Alors, simplement, hein, des petits rectangles à ciseaux levés, je dirais. Voilà. Et puis, ensuite, ben, vous allez venir les coller. Hein. Oui, après, effectivement, on peut venir faire des découpes... Alors, je pense que plutôt que de faire des découpes de mots, j'aurais plutôt fait alors soit des formes entières en fait de mots, soit carrément découper des fleurs comme je l'ai fait ici en fait. J'ai tamponné sur un papier clair de fond mes fleurs. J'ai ensuite tamponné les mêmes fleurs sur mon papier plus foncé. Et puis ensuite, je suis venue les découper. Merci Karine. Donc on va arriver à la fin. Voilà, mon encre n'était pas sèche et j'ai les doigts sales. Donc mon étiquette est salie. Alors effectivement, Estelle ne doit pas être là ce soir, mais elle avait posé la question si c'était de l'effet patouille. Je lui avais dit non, pas trop en fait. Et si, au final, c'est quand même de l'effet patouille puisqu'on utilise, de l'eau et des pigments qui réagissent. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit atelier vous aura plu. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous allez réitérer ce genre de technique, si vous allez vous offrir quelques poudres de brochot pour tester cette technique. Alors, ATC en folie. D'accord, et bien voilà, pour celles qui souhaiteront échanger leur ATC ou qui souhaitent échanger des ATC qu'elles ont déjà faites, ATC en folie. Chouette moment. Ben, moi aussi, pour moi, c'était un chouette moment. Merci. C'est toujours sympa, ces petits ateliers où on passe un peu de temps tout ensemble à réaliser une technique qu'on maîtrise moyennement, un peu, beaucoup. Enfin, voilà. Parfois, on réalise. Parfois, on laisse de côté nos réalisations. Et puis, ben, c'est bien de s'y retrouver quelques temps plus tard. Donc, je vais coller mes petites étiquettes et puis ben voilà, les ATC seront prêtes à l'échange. Séverine, tu n'as pas pu tout faire. Ben écoute, le principal, c'est que tu aies testé un petit peu quelques réalisations. Après, on peut refaire tranquillement quand on a un peu de temps ou quand on a réacheté quelque chose. Enfin, voilà, un des matériaux ou un des ustensiles qui nous manquait pour réaliser. Et puis voilà. Alors, je vais vous montrer. Si, je vais quand même vous montrer. Je vais choisir une qui n'est pas trop sale à l'arrière pour vous montrer comment je tamponne. Alors, par contre, je ne sais pas trop avec ce papier-là si je vais pouvoir tamponner du premier coup, s'il va falloir que je revienne. Peut-être utiliser ma presse pour être sûr que je ne vais pas faire de bêtises. Hop. Alors, avec une feuille de papier, ça peut être bien. Oui, le replay, c'est fait pour ça, en fait, hein, pour faire des pauses aussi, voir ce qu'on n'a pas bien réussi. Alors, hop, je vais poser. Alors, on va dire que le haut, c'est ici. On va dire que l'ATC, c'est dans ce sens-ci. Voilà. Hop. Je vais mettre un peu de verre saphine.
Alors, est-ce que tout est bien? Non. J'ai bien fait de prendre la presse, en fait. Alors, pas de maritaille à la machine à embosser, je sais, désespérément d'occasion. Alors après, effectivement, on peut trouver parfois peut-être des big shots d'occasion, mais ça doit rester assez rare. Pour ma part, dès que j'ai commencé à scraper, j'ai commencé par acheter une big shot parce que je trouvais qu'on faisait tellement de belles choses avec. Donc voyez, vous mettez votre petite étiquette ATC. À l'arrière, donc là bah, j'ai choisi une qui était à peu près plus propre que les autres, mais bon, on est quand même sur de la réalisation de patouille, donc même si c'est un peu sali à l'arrière, bah, ça fait partie du style de la technique utilisée. J'ai pas tout terminé non plus, bah en fait tu termineras tranquillement, hein. Le principal c'est d'avoir testé, je vais dire, et puis après bah, chacune terminera. Bon, moi là je finirai aussi mes étiquettes. Alors celle-ci, tiens, je peux la coller. Mais voilà, chacune termine tranquillement. L'intérêt, c'est d'avoir pu découvrir pour certaines, redécouvrir pour d'autres. Et puis voilà quoi. Hop. Bon, eh bien, je crois qu'on va pouvoir se dire bonsoir. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Quelle heure est-il? Oui, on a un petit peu dépassé le créneau des 1h30. Bon, ça va, il n'est pas trop tard. On a commencé dès 9h. On a réussi quand même à découvrir quelques techniques. Alors, comme je vous dis, hein, quelques techniques, mais qui ne sont pas forcément maîtrisées, puisque les brochots, bah, ils en font un petit peu qu'à leur tête. C'est eux qui décident. Comme quoi, ici, j'avais mis beaucoup trop de. Enfin, beaucoup trop. J'ai mis un peu beaucoup de poudre bleue, ce qui fait que on a un résultat assez sombre. Après, je pense que je les utiliserai peut-être pour les découper. Tu scrapes tous les jours. Oui. C'est un peu devenu maladif chez moi. Dès que j'ai un quart d'heure, 20 minutes, j'ai tendance à scraper. Et si j'ai pas le temps de me mettre sur ma table de scrap, j'ai l'esprit qui réfléchit scrap très souvent. Ah tiens, bonsoir Fanny. Donc, alors après, j'essaie de scraper, enfin j'essaie, non, j'essaie pas spécialement de scraper tous les jours, j'essaie parfois de ne pas scraper surtout parce que je travaille à l'extérieur à temps complet et pour du coup, dès que j'ai un petit peu de temps libre sans personne, ben, je scrape. Mais je fais en sorte quand même de ne pas laisser les miens pour le scrap. Donc voilà, mais c'est vrai que je scrape très très souvent. Bonne soirée aussi, Fonfon. Bonsoir, Cécile. Et puis à très bientôt. Marcia, je t'en prie. Séverine, tu t'es éclatée, c'est parfait. Donc voilà, bon, bah, je vais laisser ces deux-ci de côté. Et puis je vais regarder celle-ci. Alors oui, l'idée des échanger, pourquoi pas. On va voir ça si on peut les échanger sur le groupe de la Gazette. Sinon, il faudrait essayer de penser à les prendre à version scrap. Et puis pour celles qui iront. Alors pour ma part, je serai à version scrap le samedi. Toute la journée, donc ben, n'hésitez pas. Hein, alors si vous me reconnaissez, je sais pas parce que pour du coup, je montre très peu ma trombine, donc voilà. Mais on aura un petit badge de reconnaissance de la Gazette hein, que Laure va mettre à notre disposition, donc il sera facile de se rencontrer. D'ailleurs, on s'est donné rendez-vous, je crois, à 11h et à 15h. Sur le stand de mes jolies créations et pour du coup voilà, on se retrouvera toutes là-bas. Eh bien, merci à toutes d'avoir été là. C'était vraiment sympa. On a passé une bonne petite soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de reprendre les lives sur ma page le mercredi après-midi, mais là, ce mois de mars était un peu chargé en termes de travail à l'extérieur. Donc pour du coup, j'ai pas eu le temps. Peut-être en avril hein, et je vais essayer de vous proposer de nouvelles choses. Merci à toutes et bonne fin de soirée à toutes et bonne nuit et à très bientôt. Et n'oubliez pas de poster vos créations sur l'album que Laure va nous ouvrir probablement demain ou après-demain. Et sinon, vous pouvez les poster également sur l'événement. Voilà, je vous dis merci et bonne nuit. Bye bye.